Hey matelot, ici Et Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel de cette maison là sur Minecraft. Une maison du désert en sandstone et en bois, parce que pourquoi pas, ça rend plutôt bien. Alors, je précise aussi du coup que le pack de textures que j'utilise là, il est dis disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Euh, puis voilà, donc euh, petite maison sympathique avec des escaliers extérieurs. Ça c'est plutôt le, le bon plan pour les maisons, euh, les maisons du désert parce que comme il pleut pas, on peut mettre des escaliers comme ça à l'extérieur. Et moi je trouve ça sympa. Voilà, avec des, des euh, pareils, hein, des, des terrasses qui sont un peu les unes sur les autres. Voilà. Donc, on va tout simplement faire ça grâce à des petits carrés assez sympathiques qu'on va mettre sur le sol comme ça. Je vous donne les dimensions tout de suite. Hein, comme ça, c'est fait. Youp. Voilà. Hein. Hop et une fois qu'on a fait nos carrés, alors du coup ouais donc ça c'est un carré de 8 par 8, là pareil, et là c'est un carré de 10 blocs sur la longueur ici et de 8 sur la tranche. Donc voilà tout simplement. Et en fait on va mettre ces différents carrés là à, à différentes hauteurs chacun pour pouvoir faire à la fois des étages et euh, des, euh, des, euh, des terrasses en fait. Donc le premier carré ici, ok, on va le faire à 4 blocs de hauteur. Ici comme ça donc sur toute sa longueur hein, de, sur, tout, tout, sur tout son pourtour. Et une fois qu'on a fait le premier carré, du coup, à, à 4 blocs de hauteur, on va prendre celui qui est sur le côté là, et on va le mettre à 8 blocs de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous l'aurez compris, du coup, c'est 4 blocs par étage, hein, tout simplement. Et après, on fait du coup le tour de nos murs ici, comme ça, à 8 blocs de hauteur. Et une fois qu'on a mis du coup nos murs à 8 blocs à ce niveau-là, on va prendre le dernier carré qui est le plus grand. Enfin du coup c'est pas un carré. Et on va le mettre à 12 blocs de hauteur hein, pour avoir 3 étages. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et du coup, bah, pareil, hein, on augmente les tailles, euh, la taille des murs jusqu'à jusqu 12 blocs de hauteur. Surtout le contour du carré. Et une fois qu'on a qu'on a nos différentes étages comme ça, en fait, vous avez remarqué qu'on a laissé en fait quelques marges ici, tu vois, de, de décalage entre ce carré là et ce carré là. En fait, ça va nous permettre de faire un escalier. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, hein, c'est-à-dire qu'on va boucher le haut de nos murs ici comme ça. On va boucher le dessus et on va pouvoir, une fois qu'on aura fait ça, mettre des, des escaliers pour passer d'un étage à l'autre. Hop, et comme c'est une maison dans le désert, comme je disais au début, bah ça va nous permettre de faire des escaliers à l'extérieur de la structure de la maison, ce qui est plutôt sympathique et plutôt différent en fait de ce qu'on a l'habitude de faire dans les dans les maisons traditionnelles sur les autres biomes. Et c'est vraiment là un des, une des caractéristiques assez intéressantes à exploiter lors des biomes lorsqu'on est sur des biomes déserts. Et donc voilà, ça c'est vraiment sympathique. Je, on va commencer tout de suite en mettant un escalier ici sur le côté. Hein, je vais te montrer sur le sur le, le modèle. Tu vois, on va creuser juste de un bloc dans la structure comme ça pour mettre un escalier ici. Et pareil, ici de l'autre côté. Hein, voilà. Pour pouvoir euh, monter. Et on pourra même. Alors, moi, du coup, j'avais mis un... le troisième escalier. Si j'arrive à rentrer, j'avais mis mon troisième escalier au niveau de l'intérieur de la maison. Mais on pourrait même le faire à l'extérieur si on voulait. Euh... Je pense que ça ne poserait pas trop de soucis. Mais bon. Voilà, moi, j'ai fait ça comme ça. Donc, on revient sur notre modèle. Enfin, sur notre machin ici. Et on va mettre des escaliers comme ça. Hop. Voilà. Ok. Ainsi que des escaliers à l'envers. Hop. En dessous les trucs. En n'oubliant pas de, de reboucher un peu les trous qu'on fait, parce que sinon ça va faire un peu dégueulasse. Hop, ok. Une fois qu'on a ça, on va creuser ici aussi, du coup, on va mettre des escaliers. Hop. Et pareil, hein, on va hop, mettre des escaliers à l'envers en dessous aussi. Yup. Et voilà, donc une fois qu'on a ça, du coup, on va aussi mettre le dernier escalier pour pouvoir monter. À la dernière terrasse, et l'idée c'est qu'en fait, comme on a cet espace là de disponible pour pouvoir euh, avoir un accès sur le sur tout cet étage là, finalement, eh bien on va faire hop, un étage ici, comme ça, on va creuser à l'intérieur, hop, on va faire l'étage directement en sandstone, on peut le faire en bois aussi si on a envie, hop, et on va faire l'escalier le, à l'intérieur de cette structure là, hop, ok, donc on va ouvrir ici par exemple. Hop, et on va commencer ici en mettant un escalier comme ça. Et ici, du coup, comme on arrive sur le coin, on va hop, boucher avec de la sandstone et on va mettre des escaliers en coin comme ça pour que ce soit plus praticable. Ça serait quand même plus pratique. Voilà. Alors, le, la petite astuce encore, la dernière petite astuce, c'est que ici, là vous voyez, vous avez des gros blocs. On va enlever les gros blocs pour mettre des escaliers à la place. Ça nous fera une espèce de, petite, euh, de petit coin ici de cube en moins, ce qui est, euh, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, alors, encore une fois, on met les escaliers aussi derrière, hop, voilà, et puis, et puis on est bon au niveau des escaliers, il ne nous reste plus qu'à faire les finitions de la maison, finalement, ben oui, parce que la structure est complètement finie, du coup, maintenant, il nous reste à mettre les accès pour les portes et les, et les fenêtres, et après, les petites décorations, et puis, c'est bon, c'est-à-dire qu'on va mettre notre première porte ici, ok, pouf, pouf, on va mettre même avec euh, deux blocs de, euh, au-dessus, Ici du coup sur la façade on va tout enlever. Hop, ok. Sur la façade, ici sur le côté, on va juste faire une fenêtre de 3 blocs ici comme ça. Ici sur la façade aussi on va hop tout enlever en laissant hop, les coins à ce niveau-là. Et de l'autre côté ici, on va encore une fois tout enlever ici comme ça, sur 5 blocs de, de, de longueur, hein, ici comme ça. Ok, et on va laisser le pilier à ce niveau-là, en fait, de la maison, parce que ça fait plus joli, hein, tout simplement. Euh, ici, du coup, dans le creux, on va laisser une fenêtre de trois blocs à ce niveau-là. Ici, sur le côté, je ne sais plus, <laughs> je ne sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis un autre, une autre ouverture comme ça. Ouais, voilà, on va faire une grosse ouverture. Donc, on va laisser deux blocs sur les côtés du, du mur ici, comme ça. Ok, on va laisser deux blocs de chaque côté, et on va ouvrir sur trois blocs de hauteur, comme ça. Donc ça c'est pour le premier étage, ici pour le second étage du coup on va faire une ouverture comme ça de deux blocs de hauteur en laissant deux blocs de marge de chaque côté. Ok, la même chose ici sur ce côté là, hop, en, espé en essayant de pas tout péter non plus ça serait pas mal. Ici pareil, ok, en laissant deux blocs voilà, de chaque côté. Ici pareil aussi, hein. hop, euh, voilà, on va laisser deux blocs, voilà, comme une grande fenêtre. Hop ici pareil. Et ici, alors du coup, on va faire un truc un peu particulier. On va mettre une porte plutôt. Donc euh, deux blocs de large sur trois blocs de hauteur. Et on va combler quand même le l'étage. Hein. Ça serait quand même plus pratique. Et, hop, et comme vous le remarquez aussi, il y a... Hop, euh, il y a des murs qui empêchent de passer d'une un, partie de l'étage à l'autre. Par exemple, ici, là, vous voyez, bah il y a l'étage qui se poursuit. Donc on ouvre cette partie-là et on continue. De boucher l'étage, quand même. Alors, encore une fois, je rappelle, hein, vous pouvez faire aussi bien vos sols d'étage ici, comme ça, en sandstone ou en bois. Il n'y a pas de, de souci particulier. Hop, donc voilà, on a notre deuxième étage. Et du coup, le troisième étage, il va être assez simple aussi. On fait juste des trous pour les fenêtres. Et puis, c'est tout. Hein. Hop, voilà. Alors là, pour le coup, il y a l'escalier qui passe devant la fenêtre. Mais c'est pas grave, hein. au pire, euh, j'ai testé. Ça passe, ça passe, ça passe. Yup, voilà. Donc là on a notre euh, notre euh, nos, nos fenêtres et nos, nos endroits pour faire les portes. Et on va directement en fait faire le plancher de la maison. On va utiliser du bois de chêne classique. Ok Même si euh, voilà, techniquement ça serait l'acacia qui serait le plus thématique hein, dans le sens où les biomes euh, les biomes savanes sont souvent euh, à côté des biomes de désert donc ce serait plutôt les acacias si on voulait être roleplay mais, euh, mais les acacias en fait ils ont le gros gros défaut d'être assez moche donc on va plutôt mettre des, des bois de chêne plus classiques et voilà on, on ouvre tout simplement hop tout ici alors normalement ici voilà il y a le reste de l'étage donc on ouvre là comme pour les taches du dessus et même ici si je dis pas de bêtises, ok. Donc on ouvre tout ça, hop et la même chose avec ce mur là. Sauf si vous voulez garder les murs pour faire différentes pièces aussi, hein, ça ça se fait très bien. et a pas de problème. Hop, ici j'en ai pas besoin. Ok. Donc là pareil, voilà, on découpe complètement, hop le sol ici comme ça, on laisse. Voilà, on fait des, des, des ouvertures dans le sol jusqu'à jusqu 3 blocs par devant la structure. Hein. Hop, ici aussi, on va faire un truc comme ça. Hop, ok, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, en fait, tout le sol ici que j'enlève, je, que on va le remplacer en bois. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre les vitres hein, directement dans notre structure. Et donc on va le mettre des vitres du coup sur le dessus des portes ici, comme ça. D'accord Là, on va mettre des portes. Donc là, moi, je vais utiliser les, les portes du bois de jungle sur mon pack de texture. Voilà, vous pouvez utiliser autre chose qui vous plaît évidemment. Ici, sur les grandes ouvertures sur le côté, on va juste mettre des, des fenêtres comme ça sur le dessus pour laisser libre circulation. Alors évidemment, pour les fenêtres, bah, on mettre des vitres classiques. Ici, c'est tout ouvert. Donc, hop, on met juste des trucs comme ça, pareil ici, là des vitres on met au dessus, hop, ok comme ça et pareil au niveau des étages du coup hein, comme les étages c'est que des vitres bah du coup on met des on met des vitres hein voilà tout simplement il y a que des fenêtres on met des vitres, hop donc voilà on fait tout le tour comme ça, pareil sur l'étage du dessus simplement, hop, voilà hein, tout simplement, on va d'ailleurs juste hop Remettre euh, trois blocs en fait de marge à ce niveau là, au niveau des, du toit. Hein. On va réduire un petit peu les fenêtres à ce niveau-là. Et au niveau de l'arrière aussi. Yup. Voilà. Petite rectification. Yup. Et yup. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va pouvoir mettre toutes les finitions en bois qu'il y a sur la maison. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bah, elle est un peu pas terrible. Et pourtant, vous voyez que bah, le modèle il est plutôt stylé. Donc, ce qu'on va faire. C'est qu'on va utiliser des demi-blocs et on va mettre vraiment des, des décorations un peu partout. C'est-à-dire qu'on va voilà mettre par exemple un entourage ici, qu'on va mettre voilà, sur tout le long de la maison. On va aussi utiliser euh, voilà, cette même chose là sur tous les étages. Hop, Hop voilà, on met des demi-blocs de bois du coup par-dessus. Et pareil au niveau du, du, du dernier étage. Hein. Sauf qu'au niveau du dernier étage, on va le mettre juste au-dessus des fenêtres comme ça. Parce que voilà, ça fera plus swag. <laughs> hop, donc on va le mettre au-dessus des fenêtres et on va, hop, déborder de chaque des de fenêtres de, de un bloc à chaque fois. Hop, voilà. Et euh, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va aussi prendre les blocs de barrières et on va mettre, voilà, des barrières sur tout le long des, des terrasses. Du coup, en, non, en en mettant pas devant les escaliers, quand même, ça serait dommage. Hop, ici, comme ça. Hop ici aussi. Ok. On va faire tout le tour et au niveau du deuxième étage du coup on va pouvoir même prolonger les barrières comme ça pour pouvoir faire une espèce de, de, de terrasse semi-couverte. Ici du coup on va hop mettre deux barrières en plus ici. Hop 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 ok. Et par dessus ça on va rajouter des demi-blocs pouf ici comme ça. Pour faire tout le tour de l'étage. Ok, et on va même faire une deuxième, une deuxième couche au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'intérieur et on va mettre, hop, voilà, une deuxième couche de demi-bloc de bois, hop, et c'est tout on va laisser ça comme ça du coup et ça rend plutôt plutôt bien alors maintenant on va rajouter toutes les petites finitions en fait euh, qui vont vraiment euh, arriver sur la maison c'est à dire au niveau de l'entourage des fenêtres vous voyez que sur, euh, sur le, le bas des fenêtres par exemple vous avez des escaliers de sandstone avec des plaques de pression vous avez des escaliers comme ça au dessus des portes euh, etc etc donc c'est ce genre de truc qu'on va mettre en place hop euh, on fera aussi le, le dernier étage euh, après donc, on va utiliser des escaliers de sandstone et on va les mettre au niveau des fenêtres comme ça. Hop. 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 Youp. Youp. Euh, voilà, donc il me manque ici aussi. Alors, ici, non, du coup, parce qu'évidemment, il y a l'escalier. Le, donc, on va, on va pas en mettre à ce niveau-là. Pour pas, pour pas gêner le passage au niveau de l'escalier. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, du coup, on met des petites plaques de pression. Hop, voilà un peu partout. Hop, hop, yup. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des fenêtres. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser les escaliers en bois. Du coup, et on va mettre par-dessus les portes, histoire de faire ça un petit peu de manière méthodique. Pouf, pouf, ok. Et normalement, c'est les seules portes qu'il y a finalement. Alors, je crois qu'il y en a aussi au-dessus. Bah ouais, mais du coup, j'ai mis des, 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 des ouvertures comme ça. Donc, euh, voilà. On n'en remet pas au niveau du dessus. Par contre, du coup, voilà, il nous reste un petit dernier détail à mettre. Ce sont les espèces de de, 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 de paravents, là, je ne sais pas comment on dit. Ces espèces de, de trucs comme ça sur le devant des maisons. Hop, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va youp, venir euh, ici, par exemple. On va mettre des, une bande d'escalier, pas du tout, de demi-bloc ici comme ça sur la longueur. De deux blocs de longueur. Hop, comme ça. Et on va rajouter deux encore après en abaissant de un demi-bloc. Pour avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, après on va un peu augmenter d'ailleurs la taille de notre, de notre terrasse à ce niveau-là. Et on va mettre aussi des, des barrières pour pouvoir faire un peu les piliers de notre, de notre préau. Ici comme ça, voilà, c'est ça que ça s'appelle, un préau. Hop. Voilà. Histoire d'avoir un minimum, un minimum de, de cohérence. Voilà, donc on va faire ça aussi de l'autre côté de la maison. Sauf que vous voyez que ici sur ce côté-là, il bah, y a tout un coin à faire, ce qui n'est pas bien compliqué. Hop, on va prolonger des demi-blocs ici comme ça sur toute la longueur. Hop, ici comme ça. Alors jusque jusque là, ok. Pareil que tout à l'heure, on en met deux comme ça, puis après un en niveau du dessous. Youp, youp, ok. Et pareil, on en remet deux deux couches après par dessus. Youp et Youp. Et donc voilà, pareil que pour <laughs> ce côté-là aussi, du coup, eh bien on va rajouter des piliers en, en bois. Alors là, il faudrait rajouter une couche, de, une couche de bois. Hop, on va les mettre déjà aux extrémités et après on en mettra d'autres pour que ça paraisse un peu plus vivant. Pouf, pouf, pouf. Voilà, par exemple. Et par exemple, on peut en mettre une au milieu ici, à peu près. Voilà. Et pareil, de ce côté-là, on va pouvoir en mettre une ou deux, hein, d'ailleurs. Ici par exemple, et ici il y a combien Il y a 3 blocs, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, et on peut en mettre des, des, des poteaux comme ça, par exemple, tout simplement. Voilà, on peut rajouter aussi, du coup, voilà, une ligne de, de bois à ce niveau-là, sans péter les, les barrières, ça serait pas mal. Youp voilà, ça fait un peu plus propre comme ça. Donc, bah une fois qu'on a fait ça, finalement, il nous reste plus grand chose. On va vraiment mettre quelques mini détails encore par-dessus la maison. C'est-à-dire qu'on va réutiliser les demi-blocs de bois comme ça et on va les mettre par-dessous cette fenêtre-là. En gros, vous voyez, vous prenez cette façade-là de la maison, et vous prenez le dessous des escaliers et on va mettre toute une ligne de bois ici comme ça qui va entourer la maison. Ok. Qui va même venir jusqu'ici, parce qu'on est des fous. Voilà pour donner un peu plus de, de relief. Alors, une fois qu'on a fait ça aussi, on peut sur toute cette partie-là, vous voyez, remplir deux alors, de barrières, hop. Voilà pour habiller un petit peu plus euh, un petit peu plus le tout. Voilà, et donc bah voilà, ça y est, vous avez votre petite maison dans, de, de sandstone et de bois pour les biomes déserts qui est vraiment sympathique. Avec vous pouvez même mettre des boutiques aussi du coup devant et tout. Donc c'est impeccable. J'espère que ça vous aura plu du coup. Hop, euh, on se revoit demain pour un autre tutoriel. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine